Philippe Deliot, paysagiste, agence Alep à Cadenet, et nous sommes donc des paysagistes naturalistes plutôt spécialisés sur les grands sites ouverts au public depuis une quinzaine d'années. Un concepteur paysagiste, il révèle et il met en scène, il fait les deux pour moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois uniquement avoir un regard attentif sur les choses et un regard distant. On peut faire les deux en même temps. Et on n'a pas justement à opposer le simple aménagement ou le simple ménagement. C'est bien parfois de ménager un site, mais c'est bien par moments aussi de le donner à voir. Quand on ouvre un site, ou qu'on le réaménage, ou qu'on le requalifie, c'est pour le donner à voir autrement. Et donner à voir autrement un site, c'est faire en sorte qu'on puisse orienter le visiteur pour qu'il porte un autre regard sur son environnement. La mise en scène d'un parcours de visite, moi je la revendique. C'est-à-dire que le plaisir de la promenade est un plaisir inouï qu'on a bien sûr sur un sentier du littoral par exemple, mais on peut l'avoir aussi dans un espace patrimonial où la façon de visiter un projet, de le traverser, est un projet en soi. Un projet, il se fait jamais seul parce qu'un projet demande beaucoup de compétences. Des compétences en espace public, en architecture, en flux, en maintien des équilibres biologiques, en scénographie, en conception lumière. Le plus important, c'est d'arriver à trouver une équipe où les gens parlent le même langage, racontent la même histoire et de faire travailler justement ces différentes compétences pour un projet global.